Salut, salut YouTube, j'espère que tout se passe bien chez vous. Ici la vôtre, Princesse Pagaille. Donc voilà, aujourd'hui, je vous montre en deux parties, puisque sinon ça va être trop long. Donc comment réaliser d'abord un teint parfait. Donc j'ai réadapté le truc, puisque j'ai changé ma manière de faire mon teint pour avoir quelque chose de plus simple, pour avoir quelque chose de plus skin-like. Donc je vais vous laisser avec le tutoriel. Pour le look complet, ce sera donc dans une autre vidéo. N'oubliez pas, avant même qu'on commence, de vous abonner en activant la cloche, c'est important. De m'écrire des commentaires pour pouvoir m'aider dans les algorithmes. Et surtout à poser vos questions, que ce soit sur les produits ou quoi qu'est-ce. Vous posez les questions simplement, je suis là pour répondre, que ce soit ici ou sur Insta, vous avez le choix. Bon, j'arrête de parler, on passe au tutoriel. Voilà, on commence. Donc je commence par nettoyer mon visage avec de l'eau de rose et ensuite je mets de la crème. Je vais parler tout le long de la vidéo, donc voilà. Je coupe la voix off et je vais parler en direct live. J'aime trop ce fond de teint puisqu'il est super couvrant et il donne vraiment un effet peau en fait, peau nue, donc voilà, même si c'est très très couvrant, ça donne un chouette effet, un fini semi-mat velouté et ça me plaît trop. Donc ici, je suis pas maquillée, je suis maquillée ici et je trouve que ça épouse parfaitement le truc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au niveau de l'anti-cerne, j'aime bien utiliser du jaune. Donc un produit de chez MAC ou bien un correcteur jaune que vous pouvez retrouver. Donc je mélange ça avec la couleur de mon anti-cerne. C'est simplement pour venir corriger et illuminer. Puisque je trouve que tous les anti-cernes que j'utilise en ce moment sont un peu trop... un peu pas assez pigmenté en fait. Donc je mets mon jaune et puis à la prochaine séquence vous allez voir comment donc j'applique mon anti-cerne. Petit produit de magie, c'est le cas de le dire, c'est le Eye Magic de chez AliExpress. C'est mon nouveau gel à sourcils que je trouve là et je trouve juste super. Il y a 6 couleurs, donc ça coûte même pas 2 euros. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ensuite, je viens avec mon fond de teint de base et je viens juste surligner comme ceci le dessous de mon arcade. Comme vous voyez, je souligne vraiment juste au niveau de l'extérieur puisque sinon vous avez un sourcil beaucoup trop tracé. Comme ceci et j'estompe légèrement au doigt. Voilà, ça donne un petit soupçon de brillance, pas trop. Alors au niveau de mon nez, je sais pas si vous voyez, mais naturellement en fait il y a deux lignes ici qui se créent autour de l'endroit là où la lumière tape. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, pour faire le contour de votre nez, vous devez être sensible en fait à votre arête naturelle. Je vais vous montrer. Hop là. Chez moi, c'est ici que ça se trouve. De l'autre côté, c'est là. Et c'est là que je viens contourer. Et c'est là que mon contour est beaucoup plus efficace. Comme ceci. Donc comme vous voyez, j'ai un pinceau vraiment super fin. Au plus votre pinceau est fin, au plus vous êtes dans la précision
et vous pouvez corriger. Donc voilà mon contour. Je viens donc relier l'arête de mon nez avec le dessous de mon sourcil. Hop là, comme ceci. Et comme vous voyez, j'ai utilisé une teinte plus foncée, mais pas trop foncée. Comme ceci. Pour ce qui est du reste de mon contour, j'utilise une couleur plus neutre. Je ne sais pas si vous voyez, mais le contour de mon nez, il est quand même assez chaud. Donc là, j'utilise une couleur plus neutre que je vais mélanger avec le contour que j'ai utilisé pour mon nez. Pour faire le reste, il ne faut pas que ce soit non plus trop coloré. Sinon, ça ne fait pas naturel. Hein. Tu t'imagines avoir une couleur genre blush ici? Non, ça ne va pas aller, copine. Ça ne va pas aller. Faisons les choses dans l'ordre. Alors, une fois que j'ai fini d'appliquer mes produits de contour, je viens poudrer avec ma poudre translucide. Ça va m'aider à faire mon baking. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui pratiquent le baking puisque généralement les poudres sèchent beaucoup trop lourdes. Mais avec ma nouvelle poudre dont je vous ai noté le nom dans la barre à commentaires, ça laisse un effet vachement naturel. Dites-moi un petit peu les poudres que vous utilisez pour votre contour, votre teint, etc. Ça m'intéresse car j'en cherche de nouvelles depuis super longtemps. Ça a toujours été mon kiff, les poudres, donc si vous en avez de bonnes à proposer, là, je suis preneuse. Ok, donc baking léger aujourd'hui. Je fais du bruit avec mon truc. Alors ici, je souligne mon contour pour avoir l'effet poisson. En poudre de contour, j'utilise ma copine de tous les temps, c'est la Mineralize Dark Deep de chez MAC. De toute façon, comme j'ai dit à la séquence précédente, vous avez tous les produits donc dans la barre info et ma poudre dans l'espace commentaire. Et alors, j'aime à réappliquer ça au-dessus de mon contour. Et puis, au-dessus des petites pommes là. Je ne sais pas si vous les voyez, les petites pommes. Bon, alors, la petite technique, c'est de pas avoir tendance à sourire, puisque quand vous souriez, ça redescend. Mais par contre, si vous faites ça, une fois que vous relâchez, comme ça, ça remonte. Je sais pas. Bref, je suis d'accord avec moi-même. Pour ajuster les couleurs donc de mes poudres, j'utilise maintenant une couleur proche de mon teint. Et alors, ce que je fais, c'est que je tapote simplement pour dissiper les poudres et pour mélanger le tout. Comme ceci. J'aime bien mettre un highlighter au niveau du nez pour surligner donc la pointe de mon nez et légèrement mon arête. Et alors l'astuce, c'est que vous devez en mettre un pas rosé, pas doré, mais plutôt neutre dans les tons, on va dire. C'est entre le rose et le gris, hein. Je vous montre le mien, c'est celui-ci. Et c'est ce qui donne une petite touche sans en faire de trop.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aller checker celle-là où je vous montre le look des yeux et surtout de vous abonner en activant la cloche. On se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, n'oubliez pas d'être belle. Ciao, ciao!